bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, regardez, ça va nickel comme d'habitude, vous voyez, vous l'entendez, je ne suis pas tout seul. Bonjour BXNO, comment ça va? Coucou, ça va et toi? Ça va super bien. BXNO est de retour, enfin plus ou moins. Plus ou moins, c'est vrai. Alors c'est la deuxième fois qu'on refait l'intro, hein, juste qu'on soit d'accord, donc c'est un peu relou, mais voilà, c'est la deuxième fois qu'on refait la tentative. Donc on est de retour les amis sur, vous le voyez, Tiki Land, ça fait plaisir, vous avez vu la vidéo d'hier, merci pour vos commentaires. Merci aussi en parallèle du coup à OMG Serve, puisque c'est grâce à eux qu'on a le serveur. Tout est en description, donc les petites infos utiles. Donc comment tu vas mon ami? C'est très bizarre. Ah bah ça va toujours aussi bien par rapport à il y a 30 secondes quand tu m'as posé la question. Eh, ça fait deux fois on fait l'intro, je sais plus si je te l'ai demandé. Donc c'est un peu particulier. Alors voilà, donc j'avais tout expliqué précédemment, mais il faut que je recommence l'intro. Donc aujourd'hui, de retour sur le parc Tikiland. Donc là, bien bonjour, la série donc Emco Park, créée un parc d'attractions sur Minecraft après donc cette magnifique intro. J'espère que vous a plu hein, d'ailleurs cette intro. Aujourd'hui, pour cet épisode de reprise, ce qu'on vous propose, ça va être de refaire le tour du parc. Genre pas faire les attractions parce qu'on les a déjà faites, etc. C'est un peu relou. Par contre, on va faire le tour des attractions, voir qu'est-ce qu'on a déjà fait et raconter un peu les petites anecdotes, genre qui a fait quoi, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Histoire de se remémorer un peu tout ça et savoir quelle va être la suite. C'est-à-dire que durant cet épisode, on va vous parler du coup de la suite du projet, de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire et finalement à quoi va ressembler le parc à la fin. Puisque finalement, alors j'ai pas envie de faire des pronostics, mais en vrai, de vrai, la fin n'est pas proche non plus, mais on a fait plus de la moitié du boulot. Hein. C'est vrai. Ça paraît peut-être un peu inimaginable, mais réellement, on a fait la moitié du boulot, disons. Ouais, on a fait la moitié du boulot. Voilà, je vais pas plus me mouiller le maillot. On a fait quand même. On va plus faire non plus énormément de grosses attractions comme ce qu'on a fait depuis le début. Là, on a surtout pas mal de décorations et puis les petites attractions mignonnes pour compléter le tout. Le tout, exactement. Et donc, on a un gros truc qui est en cours. On va vous en parler donc à la continuité de cette vidéo. Mais d'abord, du coup, donc on commence ici sur cette petite place de parking. Donc, c'est ici que finalement tout commence. Et en fait, du coup, bah, BXNO, à la base, c'est toi qui as fait tout ça toute seule. Donc, je te laisse un petit peu nous montrer quoi. Alors, ça, c'est un parking. Et là, il y a un passage piéton. Voilà, on peut passer, c'est cool. Ah non, mais du coup, c'est vrai qu'au début de la... J'ai envie de dire au début du parc, c'est moi qui avais fait tout ça tout seul. J'avais fait la petite place avec les fontaines, la petite rivière, le parking, l'entrée du parc qui est là-bas aussi. Mm-hmm. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, je me rappelle. Bah attends, on va montrer. Il y a les places de bus aussi, il me semble. Hein. Ah ouais, ah ouais, c'est vrai. Dans où ça? Bon, bah attends, du coup, ouais. Il y a l'entrée du parc. Et là, ici, il y a une séparation et du coup, il y a le bus. Ah oui, oui, donc c'est ça. C'est ce que j'avais bien vu. Donc juste aussi, donc pour rappel, à la base, parce que moi, et ça date de quoi, 2017, non? Pour ma part, Emco Park, pour ma part, je parle. Hein, donc j'avais commencé à créer quelque chose et au final, j'avais arrêté. Et de son côté, BXNO, du coup, elle voulait commencer aussi un par attraction. Et du coup, après, on s'est remis ensemble. Enfin, pour la création du parc, quoi, tu vois. Voilà, je te laisse continuer. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais continué ici avec la place et les petits détails par terre que j'aime bien. Je me rappelle, je m'étais cassé la tête pour faire ça. Ah. Et après, j'avais fait les arches ici pour accueillir les clients, pour acheter les petits billets, tout ça. Les clients, les visiteurs? Ouais, t'as compris. Hop, un peu de super musique. Super petite musique. Incroyable. J'adore cette musique, elle va trop bien avec le parc. D'ailleurs, c'est mon CD Minecraft préféré. Oui, voilà, comme ça vous savez, si jamais ceux qui se posent la question, voilà. Et du coup, après, j'avais rajouté, là, c'est quelques arbres, c'est un petit, c'est des palmiers, en fait. Et j'avais continué ici l'entrée jusqu'aux deux tours avec la grille. Et après, à partir d'ici, on avait fait ça ensemble. Voilà, on s'est m-coopérationné. Bah d'ailleurs, regardez, on voit des WC, c'est incroyable. Attends, vas-y, fais-nous le tour des toilettes. Je m'en rappelle plus. Alors, le tour des toilettes. Je crois qu'il n'y a pas de... Ah si, on a fait ça bien. Il y a un panneau femme. Et là, il y a un panneau homme. Ah oui, on n'avait pas fait des miroirs? Ah oui, non, c'était ça. Ouais, c'est vrai. Non, par contre, j'avais gardé un craft... je sais plus trop où, mais quelque part dans mes screens, j'avais gardé un craft pour faire des miroirs. Bon, c'est des toilettes, ils sont pas ouf non plus. Hein, donc. Ouais, c'est décoratif, hein, les gars. Hein, on se calme. Et après, voilà, il y a les toilettes hommes.
Donc ça c'est pour la grosse commission et après il y a les yeux noirs. Pour la grosse commission, voilà. Vous avez compris. Alors là, l'attraction citrouille, on est d'accord, c'était la toute première attraction qu'on a faite, je crois. C'est ça, c'est la toute première. Toi t'avais fait du coup le parcours. Exactement. Et autour, moi j'avais fait la citrouille. Exactement, c'est quoi ces panneaux? Juste attends, je me rappelle plus, il y a des panneaux. Attraction 100% auto, Minecraft intelligent, ne jamais toucher. Ah oui, oui, ok, ok. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, à la base, donc il y avait évidemment, il y avait rien, hein, c'était vraiment super flat. Et du coup, j'ai pris des blocs orange de la concrete, hein, au hasard à la base. Et donc j'ai fait tout un parcours. Et après, par la suite, on s'est dit, voilà, citrouille, machin, tac, je sais plus trop comment ça s'est passé. Ouais. Et donc BXNO a décoré autour. Et du coup, finalement, donc c'est ça, ce que tu disais déjà en vidéo et ce que j'avais dit dans les précédents épisodes d'Emco Park, c'est que un peu la particularité, c'est que moi en général, je fais les circuits, donc voilà l'imagination de l'attraction en elle-même. Et après, toi, tu fais tout le décor, tout autour, tout l'univers. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça fait. Je suis meilleur en décoration qu'en attraction, on va dire. Voilà, voilà. Donc là, petit univers citrouille, là, t'avais même fait. Un petit bar citrouille. Voilà, on peut boire et manger des citrouilles. Ouais, je le trouve plus c'est ouf que ça. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas, ça fait bizarre. Mais en vrai, c'est cool. Non, franchement. En fait, c'est parce qu'autour, c'est très vide autour. Ah oui, non, mais là, pour le moment, c'est très vide. Moi, ce que je propose, et c'est ça, on va y venir vraiment plus tard dans la vidéo par rapport à comment on va agencer le parc. Mais moi, je propose qu'ici, ce serait un univers un peu, voilà, tout ce qui est citrouille. Pas horreur, mais voilà, Halloween un peu, tu vois. Ouais. Ça peut être sympa. Donc voilà. Ensuite. Ouais, genre des petits fantômes, des trucs comme ça. Carrément. Des petits fantômes, des petites. Ouais, à voir. Là, c'était donc la deuxième attraction qu'on a faite. Ça, c'est les mines. Les mines. Ouais, incroyable. Ouais. Incroyable. J'adore. J'adore cette petite décoration ici. Attends, tu parles de quoi là? Ah là-bas. Ouais. Exactement. Enfin, de toute façon, t'as tout décoré comme il fallait et tout, donc pareil, elle était automatisée, etc. La file d'attente, elle est toute longue et tout, et donc pendant toute la file d'attente, bon, on va pas la refaire, c'est pas le but du jeu, les amis, mais et pendant l'attraction, tout... elle dure, je sais pas combien de temps aussi. Ouais, c'est l'attraction la plus longue qu'on a faite, hein, normalement, pour le moment, en tout cas, parce qu'à mon avis, il y en a une qui va être plus longue. Hein. Je crois qu'elle dure 2 ou 3 minutes. Non, 2 minutes et quelques, mais ouais. c'est déjà pas mal. Enfin voilà, on va ressortir, hein, on s'en fout, on n'est pas là pour refaire l'attraction, mais voilà, globalement... vraiment, vraiment cool. Ah oui, la grande roue. Alors, normalement, ça c'est moi qui l'ai faite d'ailleurs du coup. Hein. Attention, hein. On soit bien d'accord. La grande roue, normalement, elle fonctionne pas. Je vérifie là, elle fonctionne pas. Voilà. Je vais expliquer pourquoi. C'est normal. C'est parce que du coup, comme là, on est passé sur un nouveau serveur et donc là, il est vanilla. Enfin, d'ailleurs, on a World Edit. Hein, si jamais je te l'annonce aujourd'hui, hein, on a World Edit. Mais du coup, comme on était donc à l'époque, encore en fin d'année dernière, on était sur le serveur Madventure avec des plugins essentiels. Enfin tous les trucs comme ça qui nous permettaient d'avoir plusieurs mondes et du coup c'est pour ça qu'on a enlevé. Bah les command blocks c'est pas les mêmes commandes, donc si on regarde le système en bas, command block c'est pas ici. Si on regarde, attends, je sais plus c'est quel command block qu'on peut regarder, genre là. Voilà, Minecraft double point tp arrobas p. Alors là on va enlever Minecraft, voilà tp arrobas p et là ça fonctionne. Donc là faudra que je fasse ça à tous les command blocks et ça fonctionnera. Donc voilà, c'est juste quelques petits ajustements à refaire. Mais donc voilà pour la grande roue. Voilà. Voilà. Ensuite, ah oui, Par là-bas. Alors juste cette attraction juste elle est naze, hein, vraiment, je sais pas si... Enfin, c'est genre le parcours de chevaux pour les enfants, quoi. Enfin même pas de chevaux, mais ouais, vraiment le truc pour enfants, quoi, qui fait juste un tour, mais ça monte, ça descend, genre waouh. Je vois. En vrai... Moi j'adore... Ouais. Pardon, j'adore ton carrousel, voilà. Mon carrousel. Ah oui, je l'avais oublié, mon carrousel. Oui, mon carrousel. Merci, c'est gentil. Pareil, ça. Eh, pour une fois, j'ai fait des trucs quand même, pas que les attractions. Voilà, petit carrousel. Il est vraiment naze à faire, évidemment, mais décorativement, voilà, c'est. J'adore les couleurs, en fait. Eh ben, merci. Je vais pas te mentir que ça m'avait un peu saoulé parce que je savais pas trop comment faire les couleurs. Donc, voilà. Ah, c'est plutôt cool. Ah, je suis content, ça y est, je suis touché, si. Je suis flatté. Oh, là, attends. Par là. Ouais, d'abord l'attraction, là, voilà. Sous-marine. Incroyable. Temple de la mer. Le temple de la mer. Est-ce qu'il y a encore les animaux, tu crois, comme on a switché de serveur? Oh là, aucune idée. OMG serve, est-ce que vous nous avez régalé? Regarde, il y a encore plein de poissons. C'est vrai? Ouais, il y a encore plein de poissons, regarde. Ah oui, il y a des poissons, mais il n'y a pas de dauphins. Ah, ça c'est possible. C'est pas grave, c'est pas grave, comme ça on les a pas en captivité. Mais voilà, du coup, attraction sous-marine, ça se passe sous l'eau. Attends, juste un petit coup de Game Mode Spectator. Si, il y a les dauphins.
Arrête. Dans, tu sais, l'aquarium, enfin l'aquarium. La ah mais oui terrestre. Pardon. Mais oui, c'est ici normalement qu'ils sont, bien vu. Alors. Ah ouais. Excellent. Excellent. Ok, fantastique. Ah bah ça c'est parce que c'est OMG serve. Hein. Avec l'épave de bateau. L'épave donc que tu as faite et donc voilà tout le truc sous-marin qui se passe ici. Franchement je l'aime bien. Enfin, bon bref, on n'est pas là pour se jeter des fleurs. Hein. Sans déconner. Alors, game mode créative, là, notre les bûches, comme on les appelle. Non, c'est pas les bûches. Si. Si les bûches. Par contre, niveau déco, t'as géré. Hein. Merci. J'ai on dit est pas on... là pour jeter des fleurs, hein. Voilà, c'est ça. On n'est pas là pour ça, mais bon, en même temps, voilà, quoi. C'est plutôt sympathique. Donc voilà. Les bûches, quoi. Hein. Vous connaissez. Hein. On va pas. Vous voyez. Ensuite, là, on avait le reverse. Donc genre, voilà, ça. Oula, à tes souhaits, hein. Merci. Donc voilà pour le reverse, rien de plus à dire, ça monte, ça descend jusqu'à la fin, dès qu'il n'y a plus de vitesse, quoi. Hein. Oh, maintenant, je te laisse parler de ton Far West. Ah oui, mon Far West, je l'avais oublié, lui. Bah, du coup, petite attraction Far West, comme d'habitude, c'est Nicolas qui a fait... Nicolas qui a fait l'attraction en bois, et je sais pas, ça m'a direct fait penser au thème du Far West. Du coup, j'ai fait un petit saloon ici. Surtout là, avec les tonneaux et tout, tu peux vraiment t'amuser. C'est ça. À faire la décoration. Donc, pour la file d'attente, tu montes. Après, tu redescends. Et puis, c'est sympa parce que c'est le genre de file d'attraction qui... Genre, tu te dis, t'es en train de faire une file d'attraction, mais tu vois pas tout le temps la même chose. Enfin, je sais pas, c'est ça. Pas ce que tu... Mais évidemment, mais c'est ça ce qui... Des S comme ça, là, c'est genre... C'est ouais. Exactement ce qui fait la magie et des bons parcs d'attractions, quoi. Par contre, ouais. Marion, je viens de penser à un truc. Dis-moi. C'est pas pour faire... Voilà, mais c'était ça l'intérêt aussi de switch de serveur, mais je l'avais oublié, mais ça faisait partie des arguments du fait qu'on voulait un serveur indépendant. C'est que là, on va pas avoir de problème, de bug ou quoi, on va pouvoir potentiellement passer sur des snapshots, même si la 1.16 devrait sortir dans pas longtemps. Du coup... Juste pour toutes les nouveautés que va nous apporter l'1.16, c'est les torches bleues, tous les trucs comme ça, on va se faire kiffer. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est, bonne nuit. Enfin, ça va être vraiment... Ça va être incroyable. On va passer évidemment le serveur en 1.16, donc le parc d'attraction en 1.16. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Far West. Et du coup, attends, regarde, il y a aussi toutes les petites maisons là aussi. Là. Ouais, les petites maisonnettes. Les petites maisonnettes, j'adore. Et je les ai pas faites vides, genre j'ai à chaque fois fait de la décoration à l'intérieur. Pareil ici. Ouais, on l'avait l'autre là. Et là, il y a par contre, ça c'est vraiment c'est un genre de restaurant en fait, dans lequel on pourra venir manger et tout. Oui, ça c'est grave cool. Ça pète. Et d'ailleurs, grosse innovation, c'est que les plats arriveront avec des attractions miniatures. Ah non, c'est pas une innovation, ça c'est Europa Park. Ah je me suis dit, c'est pas possible. voilà. Next. J'avais pas tout compris. Alors, on fait quoi? On fait le Nether? Ouais, le Nether. De toute façon, là, on fait plus vraiment dans l'ordre. Ah oui, le Nether qui est combiné. Donc, en fait, c'est deux attractions en une, en fait. Enfin, c'est non. C'est deux attractions dans... Voilà. T'as dit quoi? Parce que du coup, on parle en même temps. Entrelacées. Exactement. Ouais. Donc, voilà, une attraction jaune, un peu plus univers Ghast. Mais donc, toujours dans l'univers du Nether. Et l'attraction... rouge, il y a Nether. Qui est d'ailleurs la première qu'on avait faite. À la base, ouais. Et celle-là, je me rappelle que j'avais... j'ai saigné pour la faire la décoration. Ah, tu m'étonnes. Surtout que, du coup, Nicolas, il avait vraiment genre fait les montées et les descentes, et c'est moi qui rajoutais derrière les blocs pour que ça fasse comme si c'était une montagne sur laquelle il était posé. Exactement. C'est vrai, hein. C'est rigolo, c'est que voilà, à la base, je mettais quand même les piliers. Hyper plat. Voilà, c'était tout plat, je mettais quand même les piliers, mais là, imaginez-vous, vous gardez que les blocs rouges et les rails et vous enlevez le reste. Voilà, bah normal quoi. C'est comme. c'est comme si vous voyez le Far West là-bas, il n'y a pas de montagne. Mais en gros, voilà, c'est la même idée. Ok, allô, j'aimerais me remettre en créative. Hein. Du coup, voilà. Mais attends, ton palais des glaces là, attends, reviens, ton palais des glaces. Magnifique. Ah oui, c'est vrai, il est là-bas. Et c'est incroyable ce que t'as fait. Bon. Je sais plus trop si on l'a montré en vidéo. Bah bien sûr que si. Regarde. T'as oublié ou quoi? Ouais, ça va.
Mais en fait, genre, je sais, moi, je sais qu'il est pas symétrique partout et tout, et genre, ça m'a trop saoulé quand je l'ai fait. On le sait pas, par ça se voit même pas. J'adore l'intérieur. Ah, regardez. Et pareil, à la base, c'était un truc tout ridicule. Je dois encore avoir des screenshots, mais c'était un truc tout ridicule. Bah, juste, j'avais mis des glaces en mode labyrinthe, quoi, mais. Ouais, voilà. À la base, c'était juste, ouais, le labyrinthe, quoi. Voilà, voilà. Alors, juste petite parenthèse par rapport au manoir hanté. Bon, évidemment, de toute façon, on n'a pas avancé depuis, mais. Ouais, je sais pas, là, ça me saoule parce que j'avais pas trop d'idées. Peut-être que ça va me revenir du coup, donc à voir. Et du coup, tu vois, cette attraction-là, si jamais elle existe, ce sera vers la citrouille, tu vois, vers le quartier un peu Halloween, quoi. Ouais, ouais, exact. Voilà. Ça, comme dit, on va vraiment bien structurer le parc et on va vous en parler encore juste après parce que du coup, on a. Bon, vous allez voir, on va y venir là, ce gros truc. Ok, ok. On n'avait pas montré l'attraction plus end qui est juste là. Ouais, bah de toute façon on y va, hein, c'est dans la direction, donc attraction un peu... en fait, j'arrive pas à comprendre comment on a pensé à la même chose, alors que ça ne ressemble absolument pas à ça. Je sais pas. Parce que, en fait, quand moi je l'ai fait, j'avais vraiment l'image, ça me faisait pas penser, mais dans l'idée, le but c'était que ça fasse un peu comme sur Europa Park, l'Euromir, c'est ça, hein. Ah ouais, un truc un peu futuriste comme ça. Ah voilà, parce que ça fait futuriste. Et en fait, Marion, elle a vraiment vu comme moi le truc. Alors que, en fait, bah, évidemment, ça ne ressemble en aucun cas à l'Euromir. Hein. Mais en fait, je pense que c'est juste qu'on a déjà la même image de s'imaginer, genre, pendant la file d'attente ou pendant l'attraction, avec, tu sais, la musique en mode boum, 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 boum. Ouais. En fait. Et avec regarde. La boule. Voilà. Et tout. À l'intérieur de la boule, ça clignote encore, hein, je crois. Hein. En tout cas, ça fait. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui fait un peu. C'est ça qui fait un peu délire Euromir, quoi. Ben voilà. En vrai, elle est sympa, quand même. Elle est vraiment ouais. Très, très bizarre, mais elle est... Ah, et le début aussi, dans la genre de galerie, là, avec les portes qui s'ouvrent, je crois. Non, ah oui, il y a une porte qui s'ouvre, du coup, à l'entrée. Bon, ça, il faut refaire l'attraction pour le... Mais du coup, voilà. Là, par contre, aussi, pareil. Là, je te laisse expliquer... Parce que fantastique. Celui-là, je suis trop fière de moi, mais pareil, il a pris tellement de temps, en vrai. Ben, à la base des bases, si je me trompe pas, c'était juste un trou, en fait. Exactement. Moi, je suis venu avec ma petite hache. J'ai sélectionné un gros trou. J'ai fait un gros trou, un gros cratère rectangulaire bien dégueulasse. Parce que, ben voilà, je voulais faire des sortes de mines, quoi. Hein. Et du coup, j'ai juste fait un tracé donc de elle où l'attraction, parce que du coup il y a des fausses rails, hein, que t'as mis en décoration, voilà, ça c'est les vrais. Mais du coup voilà, j'ai fait tout un parcours et puis après donc Marion, j'ai fait vraiment un décor de mine abandonnée avec la verdure, les toiles d'araignée et bah, franchement je trouve juste que ça rend hyper bien. Alors genre, je suis trop en train de me jeter des fleurs, mais c'est vraiment l'attraction que je trouve la mieux faite. Enfin, c'est l'attraction que j'ai la mieux faite depuis le début. Parce que, ouais, genre, je sais pas, j'adore. Bah, même vous, il me semble, genre, ceux qui ont regardé mes vidéos, vous avez adoré la décoration que j'ai. Même aujourd'hui encore, j'ai des commentaires qui me disent, ah, ouais, c'est trop beau et tout. Voilà. Non, mais c'est magnifique. Après. Enfin, en fait, tu sais, pour le truc, toutes tes décos, elles sont bien, en fait. Hein, genre, ton Far West, il est tout aussi bien réussi. C'est juste que la différence, c'est que là, il y a beaucoup de verdure, c'est plus complet. Et tout le truc, en fait, on peut même le déplacer où on veut parce que c'est déjà tout décoré, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus complet. C'est pour ça. Par rapport au Far West, par exemple. Après, il y a le Nether aussi, où je suis assez contente. Surtout la partie rouge. La partie jaune, un peu moins, parce que j'ai eu beaucoup moins d'imagination. Mais la partie rouge, j'en suis hyper contente. Mais ça va venir. De toute façon, comme dit, quand on aura structuré le parc, on aura juste à rajouter les éléments et après décorer en fonction pour que ce soit cohérent. Là, bah, c'est une petite attraction champignon en mode familial, hein, que j'avais faite. Donc là, évidemment, Marion n'a absolument pas du tout rajouté. Ah, elle ne m'entend plus, Marion. Je t'entends toujours. Hein. Ah, ok. Du coup, je disais, voilà, petite attraction familiale où Marion n'a pas du tout mis les pieds pour décorer, puisqu'en fait, c'était pas compliqué. Hein, j'ai juste fait pousser des champignons. Hein. Voilà, quoi. Tout simplement. C'est mignon, c'est mignon. Ah oui, faudra mettre des vaches champi. Ah voilà, faudra mettre des vaches champi. Ici l'attraction, comment on l'appelait? Safari Race. Le Safari Race. Exactement. Donc voilà. Bon, Marion a quelques petits problèmes de connexion, vous le savez. Oh, j'avais oublié que c'était tout bien décoré comme ça. Voilà. Là aussi, t'as bien décoré. Ouais.
Donc voilà, donc là la particularité de cette attraction, c'est que du coup on pouvait, enfin on peut la faire du coup à deux. Voilà, ce qui est sympa. Parce qu'au début on voulait faire une attraction à deux, genre plus dans le style romantique. Oui. Et, alors. Et finalement en fait ça n'avait pas trop abouti et on l'a changé en mode safari. Mais du coup j'ai toujours en tête donc de faire une attraction romantique et il y a toujours un pattern qui est resté là-bas et qui est toujours là. Le petit pattern donc d'une attraction romantique, donc là il y a juste une seule rail. Mais en gros, voilà, dans l'idée c'est que voilà. Oh, bah, j'avais oublié que c'était mignon. Voilà, donc ça fait un petit peu romantique. À la base, le Safari Race, c'était censé être comme ça. Et du coup, voilà, on l'a transformé en Safari Race. Donc là, on a fait le tour de toutes les attractions que normalement vous connaissez. Hein. On n'a rien oublié. Franchement, il ne me semble pas. Semble pas non plus. Du coup, là, on va vous montrer un truc. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Donc, c'est où? Ah oui, bah déjà, ça spoil pas mal ici parce que c'est pas... On va en parler. Mais d'abord, on va continuer. Je vais suivre Marion. Et vous allez voir, vous allez faire « What the fuck ?» Attention. « What the fuck ?» Attends, ça va être encore pire maintenant. Voilà. Mais c'est un peu gigantesque hein, quand même, Marion, en vrai, je me dis. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, le nom du parc d'attraction s'appelle Tiki Land. Alors, Marion, je te laisse rappeler pourquoi ce nom. Alors, Tiki Land, en référence à notre série de l'été qu'on avait fait l'an dernier, Tiki Summer, qui était une survie modée sur une petite île déserte sur laquelle il y avait un volcan. Voilà. Et d'ailleurs... Parenthèse, j'ai le skin de Tiki Summer. Deuxième parenthèse, il n'y aura pas de saison 2 cette année. Voilà, désolé, hein, parce qu'en vrai, ils l'ont demandé d'ailleurs, Marion. Voilà. Ouais, ben, franchement, j'aurais bien aimé, mais pour ma part, ça va vraiment pas être possible. C'est d'ailleurs aussi la même raison pour laquelle je fais absolument zéro vidéo et zéro live en ce moment, c'est que ben, je travaille toute la semaine et que le soir, quand je rentre, ben, j'arrive pas à être motivée pour tourner une vidéo et je suis pas un peu fatiguée quand même, quoi. Ah, d'où le fait que vous l'entendez bailler de temps en temps durant cette vidéo. Hein, Et donc, et... Bah, du coup, vous l'aurez compris, c'est censé... Mais il va être gigantesque, le volcan, en vrai. Hein. Oui. Parce que du coup, donc, à la base, et ça, c'est moi qui... Donc ça, c'est Marion qui a fait tout ça, toute cette structure stone, là. Et moi, à la base, je voulais commencer, et en vrai... Mais bon, on va se baser sur le tien, tu t'es fait chier et tout. Mais moi, j'avais essayé un crash test ici, en fait, du coup. Genre, j'avais essayé de prendre les mêmes blocs utilisés. Il y avait de la terracotta brown et de la jaune, je m'en rappelais. Ouais. Mais ouais. Du coup, en vrai, trop petit. Et en fait, du coup, l'idée qu'on a, ce serait... Parce que du coup, ce serait le point central, entre guillemets, enfin, le gros point de Tiki Land. Alors, il n'est pas forcément obligé d'être... Oh, puis merde. Il n'est pas obligé... Il n'est pas obligé d'être en plein milieu du parc, hein, le volcan. Hein. Il peut être un peu plus en haut, un peu plus en haut à gauche, peu importe, on s'en fout. Hein. C'est juste le point, on va dire, culminant du parc d'attractions. Et en gros, qu'on mettrait, en gros, une attraction, justement, sur ce volcan, genre, qui tournerait autour, qui ferait des trucs, quoi. Qui passe dedans, voilà, en fait des montagnes russes dans ce volcan, donc ce serait la plus grosse attraction du parc, ce serait plutôt fantastique. Et là, c'est grave cool, et là où on veut en venir, d'ailleurs si vous avez des astuces pour réaliser le volcan, donc là Marion elle a déjà mis un petit peu des bases et tout pour que, ouais, d'ailleurs explique-moi ton idée là un petit peu d'avoir fait ça comme ça. Ben, en fait à la base du coup j'avais fait un contour par terre en stone, genre pour voir à peu près jusqu'où, comment je vais étaler le volcan. Il est très étalé. Et j'ai fait le centre qui n'est normalement pas symétrique. Ouais. Donc c'est juste un peu une patate comme ça que j'ai essayé de faire un peu rond mais en mode patate. Ah ouais. Et dans lequel il y aura la lave. Et du coup, je veux faire monter petit à petit. Du coup, bien sûr, là, j'utilise Word Edit pour faire les gros morceaux de stone. Et après, j'adoucirai le tout. Ça va prendre beaucoup de temps, mais j'adoucirai le tout avec de la TNT, avec la main et tout, enfin... Mais, bon, voilà. Mais là, du coup, pour le coup, je t'aiderai et je te propose aussi, pourquoi pas, qu'on se retrouve de temps en temps à faire ça en live quand ouais, t'es chaude. Pas de soucis. Bah, pas de soucis, hein. Même puisque... si moi, je peux faire des lives de temps en temps. Bon, et encore là, ça risque d'être compliqué. Ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, voilà, parce qu'en vrai, du coup, c'est vraiment le gros truc auquel on va s'attarder maintenant en priorité par la suite, ça va être de faire ce volcan. Pourquoi? Parce que du coup, l'idée, c'est que dès que le volcan sera plus ou moins fini, non pas qu'il y ait une attraction dessus ou quoi, hein, mais dès que le volcan sera fini, qu'on aura vraiment une idée, et que du coup, voilà, on a toutes les autres attractions qui sont prêtes, et ben ce qu'on va faire, on va prendre une bonne grande feuille A4, d'accord? Dans la vraie vie, un bon papier, un bon crayon,
et on va structurer le plan du parc. Genre, du coup, comme on a déjà un peu une idée, c'est qu'il y aura une partie un peu Halloween, citrouille, tout ça. Je propose une petite partie familiale, là où il y a le champignon, là où il y a la petite attraction de merde là que j'ai faite. Et en fait, voilà. Exactement. Bon, on pourra même mettre le Far West, tout ce qui est les bûches, etc. Il y aura une zone à attraction, sensation forte, par exemple. Enfin, peu importe comment on va structurer le truc, mais tout ça pour vous dire que chaque partie, chaque attraction qu'on a mis, vous avez vu que voilà, après c'est très espacé par le terrain plat avec de l'herbe. Tout ça est déplaçable et tout ça sera déplacé en fonction de comment on va agencer le parc. Et voilà, donc ça va être plutôt cool et ça va être la suite de l'aventure. Hein. Voilà, tout simplement. Ça. Exactement. Ok, et eh ben c'est nickel. Donc voilà, les amis, ça fait plaisir. Franchement, maximum de pouces bleus pour ce retour. Je mettrai évidemment donc en description la chaîne YouTube de BXNO, même si comme elle vous l'a expliqué pour le moment. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est juste un peu le temps qui me manque parce que voilà, je travaille toute la journée. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Et donc si c'est le cas, pouce bleu, encore une fois, merci à OMG Serve. Tout est en description, vous avez 5% de réduction sur toute la boutique avec le code MKOLO. Ça fait plaisir, franchement c'est gagnant-gagnant. Et encore une fois je précise, donc je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais je ne touche pas de revenus là-dessus. Le seul avantage qu'on a, enfin le seul si on peut dire le seul, bon déjà on est quand même en partenariat avec OMG Serve, je suis trop content parce que ça fait des années que je suis client chez eux. Mais voilà, l'avantage derrière c'est que donc vous avez une code de réduction, mais surtout nous, du coup on a le serveur, voilà, et ça fait plaisir. Voilà. C'est trop cool. C'est trop trop cool. Un dernier petit mot. T'as dit quoi? Merci OMG Serve. J'ai dit c'est hyper fluide. Ah bah là forcément c'est hyper fluide, ça c'est clair. Ça fait plaisir. Et ben voilà, c'était MKOLO et BXNO. Des bisous, ciao ciao. Ciao ciao, MKOLO et BXNO, les rigolos.